Nabil Mokhloufi, ça c'est une de tes pièces maîtresses de l'exposition, dans laquelle on voit vraiment ta technique par laquelle tu as été reconnu, c'est-à-dire déjà le sujet, attroupement, et ensuite le dessin qui n'est pas fini, mais qui exprime quand même la chose. Moi, je trouve que c'est un tableau qui te résume. Comment tu es passé, Memphis, parce que tu es fessé, à l'école de Leipzig, qui est celle qui est connue en Allemagne pour une certaine tradition de figuration symboliste. C'était une coïncidence, une année Kunst für Leipzig. Mnin mshit l'tma, fadik l'école, le Kunst für Albosa de Leipzig, le HGB, exactement, quand la figuration présente ou makinch, ne fiyash yib, tchadam figuratif. Mais, très important, une façon de traiter la figuration très ouverte. La peinture, tu es très libre et le plus important, c'est d'être vrai, d'être pur, d'être, comment on dit, on a un personnage de dos et on n'a absolument aucune indication sur sa provenance, ni sur rien du tout. C'est bientôt une tradition dans la peinture allemande, par exemple, de Gaspar David Friedrich. Et il a fait si beaucoup de travaux où on regarde les gens dedans. Ça, il donne le mot salaki, qui a été la situation de Anna Okishouf. بلا ما يحس براسو راه مراقب او كيتشاف يعني كيخلق واحد 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 لا سيتياسيون ان بو انتيم لا اون اي ان تران دو فوار ان دو تي ليت موتيف دون تا بينتور سي لاتروبمون لا فول سي سوفون دي جونز اوم اون نا با لامبرسيون كيل بارتاج لا ميم شوز اون ا توجور le sentiment qu'il y a un personnage qui se détache. L'espace public, en fin de compte, est relativement dominé par le masculin. Le masculin. L'individu, des fois, il est très individuel, et des fois, il est besoin de groupe. Et il y a cette tension, souvent, entre les deux existences comme individu. Moi, ce qui me touche, c'est que c'est quelqu'un qui met en scène des situations et qui ont l'air complètement coupées du monde, alors qu'elles sont complètement intégrées au monde et elles sont en même temps coupées du monde. Comme la photographie prend le réel, elle le coupe et elle le rend plus étrange, plus poétique, plus formel, peu importe. Il y a plein d'exemples. Et cette peinture-là, elle vient du réel. Parce qu'on voit la place, je ne sais pas quoi, on voit le groupe de gens, on voit la tente, ceci, etc. Mais elle donne une sorte de poésie comme ça, de la distance.